L'esprit associatif, si important à notre vie sociale, mérite d'être mis à l'honneur. Ainsi, des centaines de chorales se réunissent chaque semaine, des adhérents engagés pour le plaisir de se retrouver et d'offrir une prestation souvent de qualité. Gros plan sur la chorale de Dé. Dé, petite commune de l'agglomération dijonnaise de 1500 habitants, a son église au clocher à tuiles vernissées, son lavoir et son association Happy Dé. Son sympathique président Jacques Chemin, homme très actif, est présent sur tous les fronts, principalement au sein de la chorale de l'association Diabolus in Musica. Dirigé par son chef de chœur Brice Martin, qui anime d'autres chorales en Côte d'Or. Ainsi que les ateliers de chant organisés par l'association. Le chant fait appel beaucoup à cette région-là et le mélisme en particulier. Donc, c'est essentiellement ce qu'on va faire. Oui, c'est presque mieux que les premiers. On prend I et A et A, I, O, A, U. On enchaîne les trois. Nous voyons ici l'ensemble vocal Diabolus in Musica, composé de plus d'une quarantaine de choristes, en pleine répétition d'avant-concert. Son répertoire éclectique va de la Renaissance à nos jours avec des chants sacrés, profanes et du monde. Jacques Chemin, président de l'association. Bonjour, vous venez d'avoir un bref aperçu de nos activités, à savoir la répétition de notre ensemble vocal Diabolus in Musica, ainsi qu'une partie de l'atelier de technique vocale que nous organisons deux fois par an. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, vous pouvez me téléphoner au 06 26 73 23 45. Par contre, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que nous organisons également tous les ans, en plein été, un stage choral, cette année qui aura lieu à Dé du 5 au 7 août. Ce stage, cette année, aura deux thèmes. Le premier sera sur la polyphonie de sa naissance au 9e jusqu'au 15e siècle, et animé par Cyril Lebrunner. Et également, le deuxième thème sera le romantisme allemand, animé par notre chef de chœur, Brice Martin. Ce stage sera ponctué par une audition publique à laquelle je vous convie, qui aura lieu le dimanche 7 août à l'église Notre-Dame de Talant, à 17h et entrée libre, bien entendu. Si vous êtes intéressé par ce stage, n'hésitez pas à nous interroger, vous avez mon téléphone, vous pouvez également compulser notre site qui est www.apidet.com.
Je suis à votre disposition et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons pour chanter, ne serait-ce que pour le stage, pour un atelier ou également tout au long de l'année avec notre ensemble vocal. À très bientôt. Au revoir. Merci, Monsieur le Président. Le cinéma amateur à l'honneur, avec la présence de Jean-Marc Bépois, dont le film Changement d'heure a reçu le premier prix au festival Fontaine du Cours dans la catégorie des films locaux. Cher Jean-Marc, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans notre studio, tant vous êtes une personnalité attachante et impliquée dans le monde du spectacle amateur. Je rappelle que vous venez du théâtre où vous avez joué pendant plusieurs saisons avec la troupe des apprentis comédiens de La Fontaine Douche et celle de Tally Comédie qui était dirigée par notre délicieuse Marie-France Ferreri. Vous vous êtes ensuite dirigé vers la pratique de la vidéo pour déboucher, pour notre grand plaisir, au cinéma amateur. Au sein de l'association Cinécréation 21 de Fontaine-lès-Dijon, vous vous investissez dans l'écriture de scénarios et vous avez déjà réalisé un film d'environ 50 minutes en 2005 qui n'a malheureusement pas obtenu le succès escompté, dépourvu de moyens de diffusion qu'il méritait. Vous récidivez cette saison d'une manière brillante en réalisant un film d'une dizaine de minutes, Changement d'heure, qui vient de se voir attribuer le premier prix par le jury du festival Fontaine du Cours dans la catégorie Films locaux. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce bref rappel de votre démarche, du film par lui-même, des sentiments ressentis par cette distinction, et enfin, si d'autres projets seraient en préparation ? D'ailleurs, je suis très heureux d'avoir reçu cette récompense, non seulement pour moi, mais surtout pour toute l'équipe de Cinécréation 21 qui m'a permis de réaliser ce film, sans qui je n'aurais rien pu faire, bien sûr. Je remercie au passage celui qui a initié l'idée initiale, enfin, qui n'est pas très loin de moi actuellement. Voilà, je prends surtout ce prix comme un encouragement à poursuivre, à faire d'autres films, à essayer justement de faire d'autres épisodes de cette série, dont un qui avait été commencé, dont le tournage avait été commencé, donc qui n'a pas pu être poursuivi pour des raisons d'emploi du temps, je dirais. Mais ça m'encourage à poursuivre, à écrire éventuellement d'autres épisodes avec l'atelier d'écriture que j'essaye de diriger au sein de Cinécréation 21. Et puis, des projets éventuellement. C'est vrai que moi, jusqu'à présent, j'ai toujours fait des films d'après d'idées qui ont été apportées par d'autres personnes. J'aimerais bien faire un ou deux films d'après des idées personnelles. Donc j'en ai deux en tête comme ça, un court-métrage un peu science-fiction qui durerait 5 minutes, mais vraiment sans trop de moyens. Puis un plus long... une histoire plutôt dramatico, je sais pas comment je pourrais qualifier, sentimentale, dramatique, voilà. Donc totalement un autre domaine, quoi. Eh bien, nous sentons bien l'émotion de l'artiste qui se trouve en vous, et l'homme de terrain aussi, qui réalise, ce qui est un exploit tout de même, compte tenu du peu de moyens que nous avons dans les associations, nous le savons. Et nous vous souhaitons bonne chance pour la réalisation des projets que vous avez au plus profond de votre cœur. Merci de m'avoir accueilli. Tout à l'heure, tout était bouclé. J'ai boireauté presque une heure devant la porte avant de repartir. Et le changement d'heure alors ? Quel changement d'heure ? Cette nuit, on est repassé à l'heure d'hiver. Donc si vous n'avez pas changé d'heure, au lieu de 6 heures, il était seulement 5 heures. Ah, c'était cette nuit ? Oui, justement, c'est vous qui vous êtes trompé. Mais non, pourquoi ? Je suis venu à 6 heures de la nouvelle heure et tout était fermé. Et c'est quoi, votre nouvelle heure ? Et on avançait d'une heure, 5 heures de l'ancienne. Le changement d'heure chaque année. Car c'est une idée extrêmement positive. Elle permet d'économiser quantité non négligeable d'énergie et de vivre au rythme de la nature. Somme toute, une idée écologique. Vous m'embrouillez avec vos histoires. Il faut partir avant pour arriver après. Ou après pour avant. Je ne sais plus, moi. Et en plus, je ne sais même plus comment régler les portables de mes clients. J'avais décidé de me saouler pour avoir le courage de prendre le dernier verre. Et vous venez de le boire. Et il y avait quoi dans ce verre ?
du poison. Le 27 mars, au centre hospitalier La Chartreuse, et toujours dans le cadre du festival Itinéraire Singulier, il nous sera proposé une manifestation autour de la vie de Chaplin. Marc Perronnet nous proposera une mise en musique des courts-métrages de M. Chaplin. Le 29 mars, au théâtre municipal de La Fontaine d'Ouche, nous sera proposé le film Les Beaux Gosses, histoire de deux adolescents, Hervé et Kamel, pris entre la puberté et le succès. Le centre hospitalier La Chartreuse sera le lieu d'une journée d'études qui s'intitule L'art de faire ensemble. Organisation, manifestation, co-organisée par l'IUP Denis Diderot, métier de la culture, et l'Université de Bourgogne et l'IRTRES. Le 6 avril, à la bibliothèque municipale de La Fontaine d'Ouche, il nous sera proposé une projection rencontre autour de la manifestation Mémoire de quartier.